Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer Fairy Tail Fierce Fight qui est maintenant disponible depuis environ un peu plus de 2 semaines sur iOS et Android. C'est une version chinoise. Il y a une version américaine qui est prévue pour une date ultérieure. On n'a pas encore de date exacte, mais on verra. Aujourd'hui, c'est un petit tuto comment installer le jeu. Tout d'abord, vous allez passer par TapTap.cn. Comme vous le voyez, le lien, il est simple. Vous tapez TapTap.cn. Dans tout cas, je mettrai le lien qui sera disponible en commentaire épinglé. Par la suite, après avoir installé ça, on passe sur l'application. L'application est ici. Alors, vous avez deux choix possibles. La première, c'est de taper directement Fairy Tail Fierce Fight. La deuxième, c'est de taper le nom du jeu en chinois. Alors, le nom du jeu en chinois que je mettrai également en commentaire épinglé sera tout simplement celui-là. Et là, vous allez tomber sur cette image avec Natsu et justement sa magie du feu de Dragon Slayer. Et voilà. Là, vous faites installer. Ils vont vous demander de vous connecter. Soit vous vous connectez directement sur TapTap. Avec votre compte, soit vous créez votre compte TapTap, qui est très simple. Hein. Je vais vous montrer. Alors, on revient un peu en arrière et vous faites ça. Et là, vous avez plusieurs façons de vous connecter. Vous avez votre numéro de téléphone, comme ça. Vous sélectionnez, vous allez sur F. Il y a la colonne des lettres qui représente les pays. Et vous allez sur F et là, vous allez normalement le plus 33, si je ne dis pas de bêtises. Alors, F. Ah, ils ont enlevé F. Bon, en soi, c'est pas problématique. Il doit être quelque part en bas. Et au pire des cas, s'ils ont enlevé cette façon de faire, vous faites avec votre la connexion habituelle qui est Gmail. Façon de compte par Gmail et vous allez être tranquille. Faites ça, connexion par Gmail. Et voilà, vous avez un compte. Voilà. Et après, vous installez le jeu facilement. Ça prend quelques secondes, quelques minutes, ça dépend de votre connexion, etc., etc. Après avoir fait ça, du coup, là, de mon côté, je suis en train d'installer le jeu. Je suis en train d'installer le jeu normalement. Voilà. Vu que je suis sur émulateur, ça prend un peu de temps. On se retrouve directement après la fin du téléchargement. Voilà, le téléchargement est fini. On va dans paramètres pour activer les sources d'installation inconnues. Et on revient, tout simplement. On fait installer. Ça, c'est la première étape, hein, entre la création du compte et l'installation du jeu. Après, après avoir fait ça, là, on va ouvrir le jeu, du coup. Voilà, on est in-game et c'est là où ça va être un peu énervant. Enfin, un peu énervant, non, mais vous allez comprendre. On se retrouve encore après le téléchargement parce que ça va être un peu long. Ok, la première chose à faire ici, quand vous l'installez, c'est d'abord cocher ce qu'il y a écrit ici et vous connecter par TapTap. Ok, du coup, vous faites ça et là, vous vous connectez ici. Et en haut, vous avez la possibilité de prendre France. Voilà, et vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà, et là, pour terminer la vidéo, vous allez devoir passer par cette étape qui est l'identification chinoise. Alors, pour l'identification chinoise, je vous invite à venir sur mon Discord. On va directement décaler dessus. Vous allez dans autre gacha. Alors, autre gacha, ça se trouve tout en bas, ici, et vous allez dans message épinglé. J'ai épinglé, il y a tout ça comme identification chinoise. Et après, vous allez tranquille, vous prenez par exemple le premier. La première ligne du jeu, c'est ça. Du coup, on est ici, on fait ça. Et après, sur la seconde, du coup, on rebascule. Je ne dis pas de bêtises. On est ici.
Et on refait ça pour le nombre. Comme ça, vous comprenez rapidement comment ça se fait sans forcément de galère. Vous faites ça. Ah, j'ai oublié de cocher le petit truc. Bon. Voilà, c'est fait. Là, vous arrivez ici. Et là, c'est bon, vous cochez ça en bas. Et c'est parti. Voilà. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez également la connexion via Bilibili. La connexion et l'installation via Bilibili. Je pense que Bilibili, c'est encore un peu plus simple. Voici l'installation de Bilibili. Vous tapez juste bilibili.com. Vous faites télécharger quand même. Et après, on se retrouve encore une fois après le téléchargement. Du coup, voilà, on fait ouvrir l'application. On se retrouve ici. Là, vous acceptez, vous faites l'installation de Bilibili, les données internes. Et normalement, tout est bon. Là, ils vont vous demander si vous êtes un gars ou une fille. Quelle section vous voulez pour les jeux. Faites ça. Et non. Et là, on va taper le nom du jeu. Voilà. Après avoir tapé le nom du jeu, on fait ça. Le jeu est là. Et on fait installation 968 MO. Là, par contre, il serait préférable de vous connecter. Et pour vous connecter, si je ne dis pas de bêtises, c'est en bas à droite. Voilà. Là, vous avez tous les numéros de téléphone. Là, il faudra faire une petite traduction, bien sûr. Vous avez tap to translate pour traduire, vu qu'il n'y a pas les plus 33. Après avoir installé, comme pour la première étape, vous faites paramètres, activer les sources, vous revenez en arrière et vous faites installer le jeu. Et après, on retourne sur l'inscription sur Bilibili. Ou sinon, vous vous inscrivez directement via le jeu. Depuis le jeu. Du coup, là, ça fait ça. Alors, on accepte politique et le règlement. Et ça. On accepte tout ça. Enfin, là, c'est pas nécessaire, mais bon. Ok. Alors là, on appuie sur le bleu. On coche la petite... la petite case en bas. Et là, on se connecte ici. Via Bilibili. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de chercher, vu que je l'ai fait pour vous. Vous sélectionnez le pays. Ici. Alors, on va revenir sur l'étape. On revient en arrière. Alors, vous êtes ici pour la création du compte après avoir appuyé sur le profil en bas à droite. Là, vous connectez et tout. Alors, on est sur l'application. Voilà. Alors, France, chez eux, c'est pas par ordre alphabétique dans leur sélection de pays. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur ça et vous allez sur... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e pays et vous sélectionnez. Voilà, là il y a écrit plus 33, vous mettez votre numéro de téléphone et après, si je ne dis pas de bêtises, c'est le code que vous allez vous envoyer directement en appuyant sur ce bouton là et par la suite vous cochez ça et vous faites créer votre compte ici. Après avoir fait ça, vous liez votre compte en déplaçant justement en allant sur le jeu. Et après avoir fait ça, vous décalez. Après avoir mis votre numéro de téléphone avec les deux différentes connexions qui sont disponibles sur Bilibili, on revient à la même étape où il faudra mettre le numéro d'identification et le nom chinois. Tout d'abord, on commence avec le nom chinois. Comme je l'ai dit sur la première partie, la première façon de télécharger le jeu avec TapTap. Là, vous faites ça.
et vous mettez juste le nom chinois et après le code d'identification qui sont bien sûr disponibles sur mon serveur. Excusez-moi, voilà. On va faire ça. Pied. Et on colle. On regarde si ça n'a pas pris d'espace supplémentaire ou quoi. C'est bon, on valide. Et voilà. Après avoir fait ça, vous cochez le petit truc en bas et là vous sélectionnez le serveur que vous voulez rejoindre et vous pouvez tester le jeu tranquillement. Voilà. Bien sûr, parfois vous allez sûrement avoir des bugs quand vous allez envoyer votre code de vérification sur votre téléphone. Parfois ça va s'envoyer, parfois ça va pas s'envoyer. Il faudra juste être patient et renvoyer et justement répéter l'action, le mouvement jusqu'à que le code vous est envoyé sur votre message sur votre téléphone. Du coup, voilà. C'est terminé. On a terminé ce petit tuto qui était un peu long pour les deux façons, 5 minutes pour Bilibili et TapTap. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des jeux chinois, des jeux en global également. Et on se retrouve à très bientôt pour justement de nouvelles vidéos sur Black Clover Mobile, Fairy Tail, One Piece, Dragon Ball, Naruto, etc. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.